Bonjour. Nous allons aborder maintenant le monitoring de site web et le monitoring de performance web sous trois capsules différentes qui vont nous amener pendant 3 semaines à discuter effectivement de la performance de votre site web et d'arriver à quelque chose qui soit au top pour vos clients. Je me présente, je m'appelle Cédric Brahm, je suis fondateur d'Internet Vista. Internet Vista propose en fait à ses clients une solution qui les permet de les prévenir le plus rapidement possible quand une panne survient sur leur site web. Donc, derrière un site web, il y a une machine, il y a des serveurs et il y a une infrastructure. Et chacun de ces points peut être bloquant et faire que votre site web soit en panne, soit bloqué. Je prends un exemple. Il y a à peu près un an, OVH, un des plus gros hébergeurs européens, tombe en panne pendant plusieurs heures. Eh ben, ça veut dire que derrière ça, il y a des milliers de sites qui ont été en panne pendant plusieurs heures, et donc effectivement un tas de personnes et d'entreprises qui n'ont plus de chiffre d'affaires pendant cette panne. Donc c'est vraiment un gros souci. Donc premier point, c'est se dire, tiens, la machine ou la connexion Internet est importante. Si elle est en panne, je n'ai plus de site web. Pour le savoir, il faut mettre effectivement ce qu'on appelle du monitoring. Mettre du monitoring, c'est vraiment faire comme si un internaute tapait une URL dans son browser et regardait si la page apparaît ou pas. Eh bien, utiliser un service de monitoring de site web, c'est faire la même chose. C'est-à-dire que la plateforme va automatiquement regarder à intervalles réguliers que votre site web fonctionne bien et soit toujours présent. Si ce n'est pas le cas, évidemment, on va vous envoyer un tas d'alertes, des SMS, des textos, des notifications sur votre iPhone ou Android, et ainsi pouvoir vérifier à tout moment l'uptime. L'uptime, c'est donc vraiment le temps pendant lequel votre site web est disponible. À l'inverse, le downtime, c'est le pourcentage de temps que votre site est indisponible. Si par exemple je vous dis que votre site est disponible pendant 99% du temps, vous allez me dire, ouais, c'est pas mal 99% du temps. Mais malgré tout, il y a quand même ce petit pourcent qui, si on le met par rapport à une durée de 1 mois, représente plus de 7 heures d'indisponibilité. Si vous avez un magasin, c'est comme si vous fermiez la devanture de votre magasin pendant 7 heures. Donc c'est hyper important que votre site soit disponible au-delà de ces 99%. Du coup, le premier KPI à en tout cas mettre en place, c'est l'uptime et cette mesure de disponibilité. Donc je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la deuxième petite capsule où nous parlerons probablement de la performance et la rapidité de votre site web. Merci et à très bientôt.